Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 7. Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 7. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, vous qui nous suivez de près comme de loin, que la grâce de Dieu vous soit accordée, que le Dieu qui veille sur nous nous garde et nous protège, qui nous accompagne tout au long de cette histoire, de cette épreuve que le monde entier traverse, épreuve qui n'est pas épargnée, qui n'épargne pas l'Église. Mais nous savons une chose, notre Dieu, il est au rendez-vous. Il est avec ses enfants. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de protection, je ne manquerai pas de provision, parce qu'il veille sur ses élus afin de leur faire du bien. Nous lisons, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touchait ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je voudrais considérer avec vous ce que j'ai appelé la pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu. Ésaïe, en tant que prophète, appartenait à l'aristocratie. Il avait ses entrées à la cour du roi de Juda et portait un intérêt particulier, tout particulier, aux questions politiques nationales et étrangères dont il était bien informé et il disait son mot en politique. Il dénonçait l'orgueil et recommandait la foi. Pour lui, eh bien, il décrit Dieu comme le seul roi, le seul suzerain. Et ce roi est saint, contrairement aux autres. Et ce roi intervient dans l'histoire. Mais ce roi n'est pas un tyran, c'est un roi d'amour. C'est un roi qui aime son peuple. En général, le roi des prophètes le Dieu des prophètes est un Dieu vivant, créateur, maître de l'histoire, qui utilise les nations, les individus pour réaliser ses desseins. Daniel, par exemple, nous dira que c'est Dieu qui installe et renverse qui il veut et comme il veut. C'est le Dieu de l'Alliance et le Dieu de la loi. Il y a un dialogue entre Dieu et son peuple, tout comme nous l'avons dit une autre occasion, que c'est une relation entre Dieu, le suzerain, et le peuple. Ou relation où Dieu dit ce qu'il veut, et relation dans laquelle le peuple s'engage à obéir à la voix de Dieu. La loi du suzerain est un ingrédient nécessaire à l'alliance. Les prophètes
décrit les transgressions. En même temps, il dépeint un Dieu d'amour. Par exemple, Ésaïe 40 et Osée 11 eh bien, nous montrent un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Nous allons voir 5 applications. 5 choses à retenir. 5 principes qui peuvent nous aider. La première des choses, c'est que Dieu se sert des circonstances pour nous amener à réaliser sa présence. Dieu se sert des circonstances pour nous amener à réaliser sa présence. Ça peut être un décès, comme c'est le cas ici, parce que Ésaïe est allé à la maison de Dieu pour vraiment interroger Dieu. Il est allé avec son cahier de doléances pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as emporté mon ami? D'abord, il a frappé de lèpre. Ensuite, il a été emporté par la mort. Il était, comme nous l'avons dit, un de la cour et il avait ses amis à la cour. Et le roi Ozias était un de ses amis. Mais c'est un décès qui a plutôt poussé Ésaïe vers Dieu, dans la maison de Dieu. Qui d'autre interroger si ce n'est Dieu? Qui d'autre demander à comprendre la signification d'un événement si ce n'est Dieu? Parce que c'est Dieu seul qui peut vraiment nous donner ce qu'il convient. Ça peut être perte d'emploi. On peut perdre son emploi. Et cela peut nous pousser à comprendre, à réaliser la présence de Dieu. Ça peut être une affectation, une déception, tout comme un fléau, comme la pandémie, qui, dans la plupart des pays, eh bien, cela a poussé les gens à rechercher Dieu. En Europe, à partir de la postmodernité, on parle du retour au sacré. Mais ce retour au sacré n'était pas le sacré chrétien. Mais à cause de la pandémie, eh bien, les gens sont retournés au sacré chrétien. Il paraît que la vente de Bibles a bondi de près de 40%. Quand les gens viennent, il y a des libraires qui ont témoigné. Quand les gens viennent, c'est le rayon des Bibles. On achète, on achète, on achète. Et nous savons que ceux qui achètent, c'est pour lire. Donc, ce sont des événements qui nous poussent. Parce que les circonstances peuvent nous pousser à la rébellion, tout comme et ce que nous souhaitons, tout comme elles peuvent nous pousser et elles doivent nous pousser à rencontrer et à aller chercher Dieu. Parce que rien n'est neutre. Nous devons rechercher à reconnaître Dieu. Et la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que c'est le principe de continuité, rupture et dépassement. Continuité, rupture et dépassement. Si notre vie se contente à vivre le train-train, en tout cas à épouser le train-train quotidien, eh bien, on ne connaîtra pas la puissance de Dieu. Il nous faut de temps en temps et des ruptures provoquées par des événements, provoquées par des circonstances. Et à partir de là, eh bien, nous allons connaître un bon qualitatif sur le plan relationnel, sur le plan spirituel. Et notre prière est que cette période que nous passons, que cette période-là nous amène vraiment à rencontrer Dieu, à rechercher Dieu, à comprendre Dieu, à chercher à connaître Dieu et à être connu de lui. Souvent, nous le disons, il est bien d'avoir confiance en Dieu, mais il est mieux quand Dieu a confiance en toi. Et c'est pendant cette période que Dieu va prouver qu'il a confiance en nous. C'est pendant cette période que nous allons montrer la qualité de notre confiance en Dieu. Deuxièmement, Dieu révèle son caractère pour nous amener à prendre conscience de notre état spirituel. Il révèle son caractère pour nous amener à connaître et à prendre conscience de notre état spirituel. Quel est le caractère de Dieu? Dieu est saint.
il est saint. C'est pourquoi, eh bien, ces gens, ces anges ont dit, saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et la réponse d'Ésaïe a été, je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Le caractère de Dieu a révélé en même temps l'état spirituel du prophète Ésaïe. Le disons souvent, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Quand on vient à l'église, c'est d'abord pour rencontrer Dieu. Et une fois qu'on a rencontré Dieu, c'est pour nous rencontrer. Parce que celui qui rencontre Dieu, il se rencontre en même temps, il se revoit. Dieu devient un miroir et il se revoit. Et une fois que nous avons rencontré, nous sommes rencontrés, nous pouvons maintenant rencontrer l'autre. Nous pouvons aller vers l'autre. C'est le principe ici que nous avons dans Ésaïe. Il a rencontré Dieu, il s'est rencontré et maintenant il était prêt à aller vers les autres. Qui enverrai-je? Il a dit, moi je vais aller. Il est parlé de la bouche ou les lèvres. Eh bien, la bouche ou les lèvres sanctifiées, c'est le mensonge, c'est les médisances, c'est les excuses, entre autres. Parce que par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles aussi, tu seras condamné. Donc, la bouche ou les lèvres jouent un rôle très important dans la vie du chrétien, dans la sainteté du chrétien, dans la relation qualitative du chrétien avec son Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons. On ne répète pas les choses parce qu'on les a entendues. On ne redit pas les choses parce qu'on nous a dit. Non, il faut méditer. Et les trois tests du pasteur Dipama, c'est est-ce vrai, est-ce bon, est-ce utile? Ce que j'entends là et ce que je vais répéter là, est-ce vrai, est-ce bon, est-ce utile? Si nous répondons à ces trois questions, je crois que, eh bien, on va se retenir. En tout cas, Ésaïe, bien qu'il soit prophète, avait ses lèvres impures, parce qu'il sait ce qu'il a dit, des choses qui ne viennent pas de Dieu, il sait ce qu'il a dit, des choses qui ne sont pas vraies, il sait ce qu'il a dit, des choses qu'il a dit sur des gens qui ne sont ni vrais, ni utiles, ni bonnes. Et c'est pourquoi Dieu a passé d'abord par là. Il a sanctifié ses lèvres. Que Dieu nous sanctifie les lèvres. Qu'il nous sanctifie. Pour que nous ne soyons... C'est vrai que naturellement, on est porté. On est porté à dire du mal des autres. On est porté à rapporter, eh bien, même ce qu'on n'a pas vu. On se dit, il y a un tel... Il paraît qu'un chrétien ne doit pas dire « il paraît que ». Si tu n'as pas la vraie information, ne transmets rien. Même quand tu as la vraie information, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas donné pour être divulgué. Sinon, il y a les médias pour ça. Mais toi, tu n'es pas un média. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas fait pour être divulgué. Si tu as l'information et qu'elle est négative, c'est fait pour que tu plies le genou devant le Seigneur, pour prier et pour la situation ou pour la personne. Que le Seigneur nous sanctifie les lèvres et que nous sachions dire des choses qui glorifient Dieu et pas des choses qui découragent les autres ou des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que chaque fois que nous critiquons quelqu'un inutilement, chaque fois que nous nous laissons emporter par la médisance, ça ne plaît pas à Dieu. Nous avons beau venir à l'église, beau peut-être gêner et prier, mais ça ne plaît pas à Dieu. Et je sais qu'il y a des gens, leur rôle c'est ça. Même dans l'église, leur rôle c'est colporter. Ils sont des colporteurs des informations, vraies comme fausses, mais ça ne plaît pas à Dieu. Non,
Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de dire la vérité, d'exhorter les frères et sœurs. L'amour cache une multitude de péchés, nous dit la parole de Dieu. L'amour cache une multitude de péchés. Que le Seigneur nous aide. Et puis, les excuses. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, quand on était à Naporo, qui est loin, voyez la voie. On avait un homme qui habitait plus loin, et chaque fois, il passait avec, il vendait de l'herbe pour les animaux. Il passait avec sa charge d'herbe, et puis au retour, il s'arrête, il dit, ah, Karsama, Asutana Makma, Runa Asutana Makma. Parce qu'il n'est pas venu au culte, il passe au moment du culte pour aller vendre. Et c'est au retour qu'il passe me dire, ah, Karsama, Asutana Makma. C'est des excuses. C'est des excuses pour ne pas faire le bien. Faisons le bien. Nous n'avons pas d'excuses parce que Dieu nous a appelés. Il nous a sanctifiés. Il nous a qualifiés pour faire le bien. Paul dit que c'est le bien qui a été préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Comment est-ce qu'on reconnaît un enfant de Dieu? C'est par justement les œuvres, c'est par la production, c'est par les actes qu'il pose chaque jour. On raconte l'histoire, et je crois que les réseaux sociaux ont repris ça, l'histoire d'une femme, une chrétienne. Dieu lui avait dit, Jésus-Christ lui a dit, je vais venir te rendre visite. Et puis, elle est partie, Jésus lui a dit, demain, je vais venir te rendre visite. Elle est partie, elle a préparé toute sa maison, nettoyé, préparé un repas. Et puis, premièrement, c'est un galibou qui est venu, qui a frappé à la porte. Elle dit, non, va-t'en, j'attends quelqu'un d'important. Le gars a demandé, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Non, va-t'en, j'attends quelqu'un d'important. L'homme est parti. Ensuite, c'est un autre qui est venu, un nécessiteux, qui demandait de la nourriture. Ah non, écoute, tu vas salir les lieux. J'attends quelqu'un de très important. Et puis finalement, cet homme important-là n'est pas venu. Ensuite, la femme, dans sa prière, demande à Jésus, mais tu m'as dit que tu voulais venir. Je ne t'ai pas vu. Et Jésus dit, je suis venu deux fois et tu m'as repoussé. Je suis venu deux fois et tu m'as repoussé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, que nos actes que nous posons prouvent que l'amour de Dieu habite nos cœurs. L'amour, comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'amour. Il y a des gestes d'amour. Il y a des preuves d'amour. Troisièmement, Dieu nous rassure en nous parlant pour nous amener à savoir que nous lui sommes utiles. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Dieu nous parle pour nous montrer que nous sommes utiles. Bien que nos lèvres soient impures, il est capable de nous purifier pour se servir de nous. Nous lui sommes utiles si nous voulons être utiles. Nous lui sommes utiles. Mais il peut se passer de nous. Il peut se passer de nous. Personne, être utile ne veut pas dire être indispensable. Nous sommes utiles à Dieu, mais nous ne sommes pas indispensables à Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous associer à tout ce qu'il fait. Parce qu'on dit que ce que Dieu fait pour l'homme, tout ce que Dieu fait pour l'homme, passe par l'homme. C'est pourquoi il a besoin de vous et moi. C'est pourquoi Jésus a appelé des disciples. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes. Il y avait des sacrificateurs. Tout cela représentait Dieu. Il y avait même des rois et des princes. Tous ces gens représentaient Dieu. Et c'est Dieu qui choisissait. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Quel privilège! Mais quelle responsabilité aussi.
C'est une responsabilité. Que le roi des rois ait besoin de nous. C'est pourquoi les Nabissi qui sont là, et Nabi Pekenraoua, Nabi Pelitiari, Nabi Pogumniari, Pasida, tous les Nabissi se reconnaissent. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ont été, qu'ils appartiennent à une famille qui est distincte des autres familles. Ils ne peuvent pas parler comme ils veulent, ils ne peuvent pas aller là où ils veulent, ils ne peuvent pas manger comme les autres. Non, il faut qu'ils conservent une certaine dignité. Dieu a besoin de nous. Dieu veut se servir de nous, mais Dieu aussi veut que nous réalisions qui nous sommes et qui nous a appelés et qui veut se servir de nous et au service de qui nous sommes. Si nous réalisons tout cela, eh bien, nous allons nous comporter de manière à vraiment plaire à notre Seigneur. Pour que Jésus a pris un exemple. Si par exemple le maître de maison confie des responsabilités à un serviteur et que pendant son absence, si le serviteur en tant que tel traite les autres serviteurs comme il le faut, à son retour il va le récompenser. Mais si ce serviteur ou ce gérant se met à battre les autres, eh bien au retour, qu'est-ce que le maître va faire? Le maître va le punir. Dieu veut se servir de nous, mais nous ne sommes pas importants. Nous sommes simplement utiles entre ses mains. Ne jouons pas à l'important. Nul n'est indispensable. Nul n'est incontournable. Dieu peut nous mettre à part. C'est ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. Si tu ne veilles, je viendrai et je vais prendre ton flambeau là. Je vais le prendre et confier à un autre. Ainsi va l'histoire. Quatrièmement, Dieu étant notre vision pour nous amener à évaluer notre responsabilité. Il étend notre vision pour nous amener à évaluer notre responsabilité. Dieu n'est pas moira, il n'est pas gourmandché. Il n'est pas bobo, il n'est pas gourussi, il n'est pas bissa, il n'est pas américain, français ou chinois. Il est tout ça et bien plus. Il est tout ça et bien plus. Ne le ramenons pas à la dimension humaine. Mais laissons plutôt le Dieu que nous servons nous tirer vers le haut pour que nous puissions revêtir la nature divine, la dimension divine. Ici, Esaïe se voyait, il voyait son ami, il voyait la cour royale, et Dieu a étendu sa vision pour qu'il voie le peuple d'Israël en général, la situation du peuple d'Israël, pour qu'il voie ce qui va arriver au peuple d'Israël. Parce qu'il a dit, ils entendent, mais ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Et il y a une destruction qui se prépare. Que Dieu étende notre vision pour que nous comprenions notre responsabilité. L'Évangile ou l'Église, ce n'est pas les quatre murs. L'Évangile, l'Église, ça va au-delà. Ça doit aller au-delà. C'est pourquoi Jésus a dit, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'étais aux États-Unis, on logeait à côté du siège, et il y a une dame qui s'est levée, qui a dit, je vais aller comme missionnaire en Afrique. Et pour la tester, eh bien, les responsables l'ont envoyé vers une famille noire qui était de l'autre côté de la rue.
Elle est revenue en disant, ah non, 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 je ne peux pas, je peux pas travailler avec ces gens-là. Hein, ces noirs-là, ils sont impossibles. Et puis, eh bien, le comité a dit, si tu ne peux pas travailler avec ceux à côté de toi, là, comment peux-tu travailler avec ceux qui sont loin de toi? Donc, on a dit, tu n'iras pas en mission. Tu n'es pas qualifié pour la mission. Que notre vision dépasse notre frontière à nous pour atteindre d'autres peuples, les peuples qui sont dans le besoin et les peuples qui s'attendent à nous. Bien. Finalement, Dieu nous dit la vérité pour nous amener à nous concentrer sur la réalité. Dieu nous dit la vérité pour nous amener à nous concentrer sur la réalité. La vérité, c'est que, eh bien, écouter et ne pas entendre, regarder et ne pas voir, mais la réalité, c'est qu'il y aura des villes détruites. Des villes détruites. Et Dieu nous dit la vérité pour que nous puissions anticiper les résultats, les retombées, les conséquences d'une certaine désobéissance ou d'une certaine léthargie dans la foi, dans la croyance, dans l'application de la loi. Parce que ce peuple s'était éloigné de Dieu. Et c'est pourquoi, eh bien, il ne voulait rien entendre. En réalité, écouter et ne pas entendre, c'est parce qu'on ne veut rien entendre. On entend, mais on ne veut pas aller dans le sens de la parole qu'on entend. On ne veut pas. Et Dieu dit à Ésaïe, tu vois, ceci entraîne cela. C'est aussi simple que cela. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas obéir. Alors, la conséquence, c'est que je vais faire venir le malheur. Je vais faire venir l'ennemi qui va les corriger. Et ça a été l'histoire du peuple d'Israël. Ça a été toujours, c'est des yo-yo, c'est-à-dire, on le voit dans les livres des juges, eh bien, on crie vers Dieu, Dieu les délivre, et pendant leur temps de liberté, ils oublient Dieu, et puis Dieu envoie un ennemi pour les frapper, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils se sont éloignés de Dieu, et ils reviennent à Dieu, ça a été comme ça. Mais en tout cas, Dieu nous dit la vérité sur le peuple, la vérité sur la situation, pour nous amener, nous, à vivre, à comprendre les conséquences de ce manque d'obéissance à la parole de Dieu. Je conclue en disant, la vie spirituelle n'est pas une surdose d'excitation. Ce n'est ni un banquet et encore moins une excuse pour l'auto-pitié. Non. Voyez comme moi je suis misérable. Voyez comme je suis. Hein? Non. Ce n'est pas une excuse pour l'auto-pitié parce que je puis tout par celui qui me fortifie. N'importe qui peut et doit pouvoir, parce que nous sommes enfants de Dieu, et étant enfants de Dieu, nous sommes dotés dès le départ. Nous allons en vainqueur et pour vaincre. Mais ce n'est pas un banquet. Avant, on appelait ça les surprises parties. Dieu ne nous a pas invités à une surprise partie. Il nous a invités à des réalités et à des combats pour qu'ensemble, nous puissions triompher. Ce n'est pas une surdose d'excitation, ce n'est pas la peine. Comme on voit dans certaines églises, aujourd'hui, ah, frère, hein, frère, ça va, hein, que le nom de Dieu soit loué. Et le lendemain, ah, vraiment, je ne comprends rien. L'affaire de Dieu, là, je ne comprends rien. Seigneur, c'est comme s'il ne m'entendait pas, c'est comme s'il il était absent. Non. Ce n'est pas une surdose d'excitation. C'est une réalité, c'est une endurance, ce n'est pas une course
de vitesse, mais c'est une course de fond. C'est plutôt l'histoire d'une rencontre de Dieu avec son homme. Rencontre qui aboutit à sa transformation, c'est-à-dire la transformation de l'individu, et résultant dans un service productif et durable. Dans un service productif et durable. Que le Seigneur nous aide. Que cette rencontre que nous avons avec Dieu, eh bien, ne s'enlise pas, mais plutôt aboutisse à une transformation qui va faire de nous des serviteurs sur lesquels Dieu peut compter. Et nous allons avoir des résultats durables et viables. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis dans sa main.